remercie Guy Delchaume-Mester, officier gonfalonien. Jean-Paul Huchon, avec lequel les artisans bouchers ont beaucoup d'affinités. La région Île-de-France est une région qui, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, est en fait extrêmement rurale. 80% du territoire y est consacré pratiquement 50% à l'agriculture, donc aussi à l'élevage, dont on oublie souvent que c'est une grande activité dans la région Île-de-France, en particulier Seine-et-Marne et Yvelines. Donc déjà la région Île-de-France est le lieu dans lequel nous pouvons déguster et apprécier aussi des races particulières. Tout d'abord, je voudrais aussi vous remercier. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour les métiers de l'artisanat. Vous savez, j'ai un passé d'inspectrice du travail. Par la pensée et par l'outil, je vous fais officier de touche de la Gironde des Compagnons de Saint-Jacques de la Boucherie. La boucherie, c'est du plaisir. Que du plaisir. Pour moi, c'est un plaisir qui remonte à il y a très longtemps. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon ami Christian Lelanne, que je salue. Je me souviens très bien, lorsque nous étions en Normandie, la petite camionnette qui circulait, qui était la petite camionnette du boucher, qui avait le meilleur jambon blanc du métier, qui était un beau métier, un métier compliqué. La mairie de Paris, la région de l'Île-de-France. Les artisans bouchers d'Île-de-France, dont les représentants sont ici présents, ainsi que M. Henri Balladier, qui est à l'autre côté, représentant notre partenaire, les Labels Rouges, M. Philippe Douin, président de notre interprofession régionale, sommes très heureux et très honorés de vous retrouver pour cette deuxième édition de la grande dégustation de viande rouge. Au président.